Pour amender le jardin, j'utilise tout un tas de matériaux issus du recyclage, comme par exemple quand je nettoie le poulailler, j'utilise la litière des poules directement au pied des cultures, comme on peut le voir là, entre les pieds de choux, par exemple. Bien évidemment, tous les résidus de culture aussi. Donc là, on est dans la serre et on voit les pieds de tomates que j'ai nettoyés, que j'ai tout coupé en petits morceaux, puis que j'ai laissé par terre pour que ça se décompose tranquillement pendant l'hiver. Là, l'écorce de haricot que je remets directement au sol après avoir fini de récolter la zone. Les déchets un peu plus grands, un peu plus encombrants, comme les tiges de maïs, les tiges de ricin, je ne me suis pas embêtée à les couper, je les ai mis directement au pied de la haie de thuya. Et puis petit à petit, par-dessus, je rajoute tout ce qui est issu du désherbage, du nettoyage des parcelles, et quel que soit le type de déchet en fait. Quand on taille les arbres et les arbustes, j'ai un broyeur aussi et tout le petit branchage passe dans le broyeur et tout ça retourne au jardin également. Et puis parfois, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir récupérer du broyat de bois par un ami paysagiste. Du coup, là, il m'en a amené une grosse remorque et j'ai pu en étaler un peu de partout. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'en termes de recyclage, tout y passe, même le thuya. Là, on est en train de tailler la haie qui est dans la zone nord. Et une fois que toutes les parcelles sont récoltées, sont libérées, je redépose tous les résidus de végétaux au sol, comme on voit là, les tiges de ricin. Et je recouvre le tout avec une bonne épaisseur de coupe de thuya. J'avais déjà fait ça il y a 2 ans sur une autre parcelle du terrain et en fait ça s'est très très bien décomposé, il n'y a pas eu de souci. Je pense que mon sol maintenant est suffisamment mature et vivant pour arriver à dégrader, à décomposer toute cette matière. Alors bon, après en termes d'acidification du sol, je ne sais pas trop ce que ça peut donner sur le long terme. Ceci dit, ça je le fais sur les zones où en général je cultive les courges, les butternuts et les potimarrons. Sachant que dans chaque trou de plantation, je mets une bonne, voire 2 pelletées de compost. Après, au fil du temps, au fil des années, bah, je verrai bien ce que ça donne et puis bah, ça me fera un retour d'expérience. Alors, en termes d'expérimentation avec le thuya, justement, je voulais vous montrer cette année 2 choses que je mets en place, que je teste. La première, c'est une espèce de grosse butte lasagne. Et la deuxième, c'est un semis de fèves en engrais vert à travers une bonne épaisseur de thuya. Toute la zone de potimarron de ce côté est récoltée. Je vais repréparer directement la zone pour l'année prochaine en faisant une espèce de gros tas de compost là au milieu. Et comme j'ai des cartons, je vais les utiliser en sous-couche. Ils auront tout l'hiver pour se décomposer. Et par-dessus, je vais entasser tous mes déchets verts. Mon tas de déchets commence à bien monter. Et encore une couche supplémentaire sur la grosse butte, là, avec de la coupe de thuya. J'ai commencé aussi à recouvrir la butte de déchets avec de la tonte de la pelouse. Donc j'ai fait toute la partie droite là et il me reste ce versant-là. Là, j'ai fini de mettre de l'herbe de tonte sur la grosse butte de déchets, juste en dessous du noyer. Et j'ai plus la ruche, je l'ai enlevée parce que l'essaim est parti il y a une quinzaine de jours à peu près. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas trouvé d'abeilles mortes. Ça correspond à peu près au moment où il y a eu l'espèce de tempête. Et peut-être qu'elles se sont enfuies à ce moment-là. Est-ce que la reine est morte et que du coup les abeilles sont parties? Vraiment, je ne sais pas. J'ai l'impression que la butte commence à bien s'affaisser, je pense que c'est avec les intempéries, la pluie là, qui l'a fait ces jours-ci. De l'autre côté,
un petit coup d'œil à la roquette autonome. Je vais en ramasser aujourd'hui. Elle se ressème toute seule. Je laisse toujours des plants monter à fleurs, monter à graines. Et j'en ai tout le temps. À droite de la grosse butte de déchets que je suis en train de monter, on a étendu les résidus de taille de la haie de thuya. On avait mis ça de côté en attendant de libérer la place des potimarrons. Et maintenant que c'est fait, ben voilà, on a tout étalé sur le sol directement. Et je voudrais tenter une petite expérience. Lorsque j'ai récupéré mes semences de fèves qui étaient bien sèches, je les ai triées et j'ai mis de côté toutes celles qui étaient pas jolies. Donc c'est toutes celles-ci là. Et ce que je voudrais faire en fait, c'est essayer de les planter à travers ce paillage de thuya qui va être assez épais et très acide. Et je veux voir si ça germe en fait. Une fois que j'aurai mis en place les graines de fèves, je vais recouvrir le tout de tonte de pelouse. Et si ça marche, eh ben, ça me fera mon engrais vert pour l'année prochaine. J'ai pris un bout de bois pour me servir de repère pour essayer d'être à peu près régulière dans l'espacement des graines. Donc je vais les mettre tous les 20 cm à peu près de part et d'autre. Je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai plus de graines sur toute la surface. Je suis allée jusqu'au bâton là. Et il me reste ça. Je m'en servirai pour une autre zone. Voilà, j'ai fini de tout recouvrir avec l'herbe de tonte également. Sortie de la première fève. Et une semaine plus tard, il en arrive plein d'autres. Un peu de pluie, du soleil et hop, les fèves poussent vraiment bien en ce moment. Voilà, on va laisser faire tranquillement et puis on verra dans quelques temps en espérant que les grosses gelées vont pas arriver trop vite pour que ça puisse se développer un maximum.